Salam alaikum tout le monde. Taqabbalallah minna wa minkum salih al-a'mal. Qu'Allah accepte de nous bonnes œuvres. Hayallah Cheikh Tayyib. Cheikhana wa habibana. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc comme cela a été annoncé dans le programme, un jour on va aborder le thème qui porte sur le Coran et sa méditation, et le jour d'après on parlera inshallah ta'ala des qualités et des traits de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le savez tous, la foi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une condition fondamentale pour accéder au paradis et pour accéder au salut et avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Imran dit: « قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. » Ce verset, les salafs, ils l'appelaient « Ayatul Mihna », le verset de l'épreuve. « قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهُ » Dis-leur, ya Muhammad, aux gens du livre, « Si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Allah, il vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. » Donc c'est pourquoi toute personne qui ne suit pas les pas de cet homme n'aura pas le salut dans l'au-delà, n'aura pas l'agrément d'Allah dans l'au-delà. Et les savants disent même que le fait de renier le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam revient à insulter Allah subhanahu wa ta'ala et à blasphémer le Seigneur. Pourquoi? Parce que celui qui dit que Muhammad alayhi salatu wa sallam est un imposteur, n'est pas un prophète, il est en train de dire que Dieu nous a trompés en faisant éclater tous les signes de la véracité en faveur d'un menteur, sans justement nous donner la lumière qui nous permet de découvrir son imposture. Or, nous, depuis plus de 14 siècles, c'est exactement le contraire. On voit que Allah subhanahu wa ta'ala a soutenu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui a donné victoire. Il a fait triompher son clan, il a fait triompher sa voix et il a préservé sa religion et il a préservé sa sunna jusqu'à nos jours et ça sera pareil jusqu'au jour dernier. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait préservé la religion, la renommée, le statut de cette personne-là est une preuve manifeste qui montre sa véracité. Bien évidemment, c'est une preuve parmi tant d'autres. D'ailleurs, les ulama, ils ont écrit des ouvrages dont on nomme Dala'il al-Nubuwa, donc les signes de prophétie. Il y a énormément de savants à travers l'histoire qui ont écrit sur ce domaine-là, Al-Bayhaqi et bien d'autres. Et même parmi les contemporains, justement, Sheikh Sami Amiri, Barahin al-Nubuwa, un livre monumental, justement, très important, qui, justement, il traite avec détail et avec argument les preuves de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous, inshallah ta'ala, on va essayer justement de parler de ces qualités pour que justement on puisse les suivre, parce que Nabi sallam est notre modèle, mais si on ne le connaît pas, on ne pourra pas le suivre. Donc c'est l'ignorance sera un handicap, sera un frein qui fera que la personne ne pourra pas être conforme justement au modèle prophétique. An-Nabi alayhi salatu wassalam, plus on apprend à le connaître et plus justement les voies de la guidée seront plus claires pour nous. Plus on priera de la manière qui satisfait Allah, on donnera notre zakat de la manière qui satisfait Allah, on fera notre pèlerinage de la manière qui satisfait Allah dans notre comportement, dans nos relations.
C'est pourquoi on va essayer durant ces cours de voir la relation de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment il se comportait en tant qu'époux, en tant que père. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a énormément d'aspects dans sa vie. Et d'ailleurs, c'est encore une phrase qui montre le statut miraculeux. Il n'y a aucune zone d'ombre dans la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est un homme, donc il avait plusieurs femmes. Il avait plein de compagnons qui l'entouraient et qui scrutaient tous ses faits et gestes. Anas ibn Malik, comme le rapporte le Bukhari, il dit, il y avait 18 poils blancs sur la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba étaient des gens vraiment qui étaient observateurs de tous les faits et tous les gestes. Abu Huraira, quand il dit à Rasulallah, j'ai remarqué contre ton takbir et ta récitation de l'Fatiha, tu murmures certains propos. Et quand tu dis Allahu Akbar, avant de lire l'Fatiha, j'ai remarqué que tu murmures certains propos. Qu'est-ce que tu dis à Rasulallah? Il lui dit, je dis Allahumma ba'at bayni wa bayna khatayay, kama ba'at bayna al-mashriqi wal-maghrib, Allahumma naqini min khatayay, kama yunaqqa thawbul abyadhu min ad-danasi. Et là, il lui cite justement l'invocation d'ouverture qui nous est recommandée de dire avant d'entamer notre récitation. Et elle fait partie parmi les nombreuses invocations que Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées. Donc on est bien d'accord qu'il est très important justement de connaître un Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ignorance chez les musulmans sur justement les qualités, la biographie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. À un tel point où peut-être beaucoup d'entre nous, on est incapable de citer un hadith ou deux. Beaucoup, on ignore les invocations de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si tu demandes à quelqu'un les invocations qu'il nous a enseignées, qu'il nous a apprises, qui sont très importantes, nous allons remarquer qu'il y a un manque, qu'il y a un vide, qu'il y a vraiment une négligence, une inaction de la part de beaucoup, alors que beaucoup prétendent, justement, prétendent qu'ils aiment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils l'aiment plus que leur personne, plus que leur argent. Mais, subhanallah, cet amour, malheureusement, n'a pas de preuve. Inna al-muhibba liman yuhibbu muti'u. Parce que le véritable amour, il doit se traduire par des preuves concrètes. D'accord? Donc, c'est pourquoi, inshallah, on va, bi'idhnillah, commencer par tout d'abord une introduction, d'accord? Avant de nous pencher sur les qualités de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on va essayer de commencer par une introduction de justement rappeler encore une nouvelle fois la bienveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala envers les humains. Allah azza wa jal, il nous a créés et il a créé ce monde pour nous. Et tout ce que l'humain a besoin, Allah Azzawajal lui a fourni. D'ailleurs, on verra, inshallah, dans Sourate Al-Baqarah, quand on va arriver au verset où Allah annonce aux anges la création de Adam, Inni ja'ilun fil ardi khalifa, on aura l'occasion justement de plus développer justement cette notion-là. Donc Allah nous a créés, il a créé tout ce que l'humain a besoin sur cette terre, tout ce qu'on a besoin est présent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc, a décrété, et ça on le verra également, que Adam devait sortir du paradis pour vivre sur cette terre un certain moment, pour y revenir d'une manière encore meilleure. Il y aura une deuxième entrée au paradis qui sera plus parfaite, et cette fois-ci elle sera éternelle, définitive, et il n'y aura pas d'interdit, comme ce fut le cas durant la première entrée. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas laissé les humains dans l'abandon. Lam yatrukna hamala. Bel Allah Azzawajal, arsala ilayna ar-rusul. Il a envoyé les messagers, il a envoyé les prophètes, il a révélé les livres. Ibn Kathir, il dit Allah, il a révélé plus de 100 livres. Il n'y a pas une communauté sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas envoyé un avertisseur. D'ailleurs, même les gens, les communautés, les humains qui n'ont pas reçu de prophètes, ceux-là sont à l'abri du châtiment. Yawm al-Qiyamah, ils auront une épreuve. Parce qu'Allah Azzawajal a dit dans le Coran, wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Et il ne nous appartient pas de châtier avant d'envoyer un avertisseur. Et donc ça montre la bienveillance d'Allah Azzawajal. Les prophètes, Allah les a envoyés pour trois raisons. La première, il les a envoyés par miséricorde. Parce qu'Allah, il est miséricordieux. Allah, il est compatissant. La yarda li ibadihi al-kufr. Il n'agrée pas de voir ses serviteurs dans la mécréance, dans l'idolâtrie, dans l'égarement. C'est pourquoi, par sa miséricorde, Azzawajal, il a envoyé les meilleurs humains.
ceux qui ont le cœur le plus pur, ceux qui, les plus dévoués, les plus motivés, Allah subhanahu wa ta'ala, donc a envoyé ces prophètes-là par miséricorde. Deuxièmement, il les a envoyés pour renseigner les humains, pour transmettre le savoir. Ces prophètes-là, ils sont venus avec l'ilm. Et leur message, il tournait autour de trois axes. Le premier, c'était de présenter Allah aux hommes. Yu'arrifuna an-nasa, yu'arrifuna an-nasa billah azza wa jal. Ça, c'était la première mission qu'avaient les prophètes, c'était de présenter Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pourquoi ils ont décrit Allah, ils ont donné les informations que notre cerveau est capable justement de comprendre et de supporter pour connaître Allah, pour l'aimer, pour le vénérer. Deuxièmement, ils nous ont montré le chemin qui mène vers l'agrément d'Allah, notre code de vie, notre code de vie, comment on devait vivre. Et les prophètes, ça également, l'ont transmis. Ils ont transmis aux humains ce qui était licite, ce qui était illicite, ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils ne devaient pas faire. Et troisièmement, ils sont venus informer de la destinée. De la destinée. Qu'est-ce qui nous attend après la mort? Qu'est-ce qui attend les bienfaisants, les croyants, les véridiques, les gens honnêtes? Et qu'est-ce qui attend les récalcitrants, les négateurs, les malhonnêtes et les égarés? Et donc, ça c'est le deuxième point. Donc, Allah a envoyé les prophètes par miséricorde. Il les a envoyés pour justement transmettre le savoir et pour retirer l'ignorance de nous, parce que nous sommes, de par notre nature, ignorants. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Et troisièmement, Allah il a envoyé les prophètes pour établir la preuve. Iqamat al-hujja ala al-nas. Comme ça, aucun humain n'aura une preuve, n'aura un argument devant Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne pourra justifier sa mécréance, son égarement, son injustice. Parce que Allah, il a établi la preuve. Donc, ces prophètes-là sont venus apporter le savoir. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a consacré le tiers de son livre à relater le récit des prophètes et des messagers. Celui qui lit le Coran, il va voir que le Coran regorge justement des noms des prophètes, des noms des messagers, où Allah subhanahu wa ta'ala fait éloge de ces prophètes-là, et il nous décrit certains moments de leur vie, et pas n'importe quel moment. Il nous décrit les moments les plus difficiles de leur vie. Et il nous met en avant la réaction de ces hommes-là. Parce que c'était des humains, certes, c'était des prophètes, mais c'était des humains aussi, qui souffraient de la maladie, qui souffraient de la mort de leurs proches qui leur sont chers, qui souffraient de la maladie. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous met justement, il nous décrit avec une éloquence la réaction de ses prophètes. Ibrahim qui attend un enfant pendant des années, après 80 ans, Allah lui accorde un enfant et quelques années après, il lui ordonne de l'égorger. Quelle épreuve terrible! Et Allah Azzawajal nous décrit la réaction de Ibrahim, nous décrit cette épreuve-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous décrit le récit de Jonas, Younous, un homme pieux, un homme bon, qui va prêcher son peuple et qui, il voit de leur part, justement, une insouciance, un désintéressement total. Et donc, il va les abandonner, il va les laisser. Il se dit, ces gens-là, il n'y a rien à espérer de leur part. Mais il part avant qu'Allah ne lui donne la permission. Et regardez comment Allah, il va l'éprouver. Regardez comment il va se retrouver au fond d'un poisson, au fond des océans. Et Allah, il nous montre sa réaction, comment il a réagi. Pareil, le prophète Moussa, alayhi salam, Ayoub, alayhi salam, qui éprouvait pendant plus de 18 ans de la maladie, ses enfants sont morts, sa femme, elle vend même ses cheveux pour pouvoir nourrir son mari. Allah, subhanahu wa ta'ala, également nous montre, et il fait des éloges. Inna wajadnahu sabira, ni'mal abd, innahu awwab. Nous l'avons trouvé patient, quel bon serviteur, il était repentant. Et donc, Allah Azzawajal, il nous dit, quand il nous relate, il nous raconte les récits de ses prophètes, il nous dit, Oulaika alladhina hadallah, fabihudahu muqtadih. Cela sont justement, voilà ceux qu'Allah a guidés, suis donc leur voie. Ittabi, iqtadi biha'ula. Et donc,
Et on trouve justement que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de ces prophètes-là, il les décrit comme étant des gens qui sont forts dans l'obéissance d'Allah. Regardez dans sourate Sad, verset 45. Allah, il dit: Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Mentionne Ibrahim. Mentionne nos serviteurs Ibrahim, Ishaq et Ya'qub, Isaac et Jacob. Nous serviteurs qui sont dotés, doués d'ardeur dans l'adoration et de clairvoyance. Ou les quwwa, dotés de force dans l'adoration, mais également dotés de clairvoyance et de connaissance. Non seulement Allah il leur a donné l'énergie, la force d'œuvrer, mais aussi il leur a donné une clarté, une connaissance solide qui leur permet de connaître le droit chemin. Également, Allah Azzawajal, quand il parle des prophètes, il décrit la quantité énorme d'évocations qu'ils avaient à l'égard de leur Seigneur. Il nous décrit l'humilité, il nous décrit la supplication qu'ils avaient justement constamment à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Ayyuba idhnada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa ataynahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina. Et également les versets qui parlent de wa dhannun idh dhahaba mughadiban, les versets de sourate al-anbiya. Lisez sourate al-anbiya, les prophètes, vous verrez des exemples magnifiques. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait éloge justement de leur attitude vis-à-vis de leur Seigneur. Parce que les prophètes, constamment, ils donc reconnaissaient leur pauvreté. Parce que nous sommes complètement dépendants d'Allah. Et ça, plus justement l'humain va reconnaître son impuissance, son besoin ultime de son Seigneur, et plus justement il va se rapprocher d'Allah Azzawajal. Et plus l'humain va faire preuve d'orgueil et d'autosuffisance, et plus il sera loin d'Allah et détesté par Allah Azzawajal. C'est pourquoi l'uboudiyya, l'adoration, c'est d'exprimer son besoin, c'est de montrer notre faiblesse. Rayatul dhul, c'est justement la soumission totale, la soumission à l'égard d'Allah Azzawajal. Parce que on découvre notre faiblesse, notre impuissance, nos défauts et notre condition d'humain, de créature. Et en même temps, on apprend à connaître la grandeur d'Allah Azzawajal, la domination totale d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les prophètes, alayhimus salatu wassalam, ils avaient justement réalisé ce qu'on appelle l'iftiqar ila Allah Azzawajal. Donc on doit également suivre les prophètes dans leur quête du savoir. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cite comme exemple l'histoire de Moussa alayhi salam dans sourate al-Kahf, une sourate à laquelle nous sommes invités de réciter chaque semaine. D'ailleurs, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Sourate al-Kahf, c'est une sourate dont le thème principal, c'est la fitna. C'est les épreuves, les tentations. Dans sourate al-Kahf, on voit une histoire qui parle de la tentation qui relève de la religion. Ces jeunes qui ont été éprouvés dans leur religion parce qu'ils vivaient en tant que personnes minoritaires avec des gens qui étaient loin de la religion. Leur peuple, c'était des peuples, des négateurs. Et donc, ils sont partis se réfugier dans une caverne, dans une grotte, et dans un kef. Et la suite, on la connaît dans cette sourate. Allah nous également nous parle d'une épreuve qui touche l'argent, et il nous parle d'une épreuve qui touche le savoir, et il nous relate le récit de Moussa, alayhi salam, qui, lorsqu'un jour un homme est venu lui poser une question, y a-t-il quelqu'un qui a plus de connaissances que toi? Et Moussa, il répond non. Et Allah lui fit un reproche. Il lui dit, il y a un serviteur parmi nos serviteurs qui possède une connaissance que tu n'as pas, en parlant de l'Khadir. Et là, Moussa, alayhi salam, qu'est-ce qui est... Regardez la réaction. Regardez la modestie. Moussa qui a reçu le Taurat, qui a parlé à Allah. Et tous les savants sont d'accord pour dire que Moussa, il est meilleur que le Khadir. Parce que le Khadir, il y a un débat, est-ce que c'est un prophète ou pas? La plupart des savants, il y en a, ils disent que c'est un allié, un homme pieux, Wali min awliya illah, et il y en a, ils ont dit c'est un prophète. Alors que Moussa, tous les savants sont d'accord pour dire que non seulement c'est un prophète, mais en plus c'est un messager. Et on sait que tout messager il est prophète, et tout prophète n'est pas un messager. Et malgré cela, Moussa va faire preuve d'humilité, il va demander à Allah de lui montrer le chemin
pour parvenir à cet homme qui est le Khadir. Et il va demander à le Khadir justement l'autorisation de rester à ses côtés et de faire preuve de patience. Cet ajid incha'Allah sera incha'Allah parmi les patients. Apprends-moi ce qu'Allah t'a donné. Et on voit que, et malgré ça, Moussa, au bout de trois événements, Moussa n'a pas pu patienter, comme on connaît cela dans Sourate Al-Kahf. Donc, on doit suivre Nabi sallallahu, les prophètes en règle générale, parce que ce sont des modèles, ce sont des exemples pour nous. Et bien évidemment, particulièrement, on doit suivre notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le dernier prophète. Et son message, c'est le dernier message. Et Allah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi. La yasma'u bi, Yahudi, ou Nasrani, thumma la yu'minu bi illa dakhala an-nar. Par celui qui tient mon âme entre sa main. N'entend parler de moi un juif ou un chrétien et il ne croit pas en moi sans que sa place sera l'enfer. C'est-à-dire que la seule voie qui mène vers l'agrément d'Allah Azzawajal, c'est de suivre la voie de Muhammad Sallallahu, parce que son message est le dernier message. Le Coran, il a abrogé tous les messages, hein, précédents. Donc c'est pourquoi notre amour pour un Nabi Sallallahu est un amour qui est fort, parce qu'il est venu justement nous guider vers le droit chemin, nous montrer le chemin que Allah subhanahu wa ta'ala agrée, le chemin qui mène vers le salut, qui mène vers l'éternité au paradis. Et donc, pourquoi on doit suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est parce que sa vie, c'est la meilleure vie. C'est la meilleure vie. Allah l'a choisi, comme il dit Ibn Mas'ud, Allah, il a regardé dans les cœurs de tous les humains. Et il n'y avait pas un cœur aussi pur que celui de Muhammad, alors il l'a choisi comme prophète et comme messager. Également, on le suit parce que le suivre, c'est obéir à Allah. Allah nous ordonne de croire en lui, de le suivre. Alors, kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir. Vous avez dans le modèle du messager d'Allah un excellent exemple pour celui qui espère en Allah et au jour dernier. Également, on le suit parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu infaillible, ma'soum. On le suit parce que dans sa vie, il y a énormément de leçons, énormément, énormément de messages relatifs à la foi, au tawhid, à l'éthique, à la conduite, sa patience dans la da'wah. Tu le suis parce que le suivre et croire en lui, c'est une condition pour récolter le succès et la victoire. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam est un exemple dans tous les aspects de sa vie. C'est pourquoi connaître sa vie est une nécessité. Vous savez, quand les savants ils parlent d'Ala et le Nubuwa, quand ils parlent de tous les aspects prouvant la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Hazm, Al-Andal aussi, un savant andalou, il dit, quand il parle de la biographie du prophète, de la sira du prophète, du parcours du prophète, il dit: si il n'y avait dans les signes du prophète que sa biographie, cela aurait suffi. Subhanallah. Regardez, hein. Il nous dit: si il y avait que la sira de Nabi sallam, ça suffirait pour prouver sa prophétie. Alors imaginez-vous lorsqu'on va donc citer tous les signes et qui sont nombreux, indiquant sa prophétie. Tellement sa vie, juste sa vie est un miracle. L'homme qui a le mieux réussi sa vie, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un homme qui. Et surtout lorsque tu te mets dans la peau de quelqu'un il y a 14 siècles. Un des meilleurs moyens, justement, de connaître la qualité de cet homme, c'est justement de contextualiser les choses. Hein, reviens à 14 siècles. Et subhanallah. Wallah, et mes frères, juste, l'ouahad, il est juste il y a 2-3 siècles, là, les philosophes des Lumières, certaines positions qu'ils avaient à l'égard des Noirs, à l'égard des femmes, alors qu'il y a 2-3 siècles. À 2-3 siècles, et à leur époque, c'était déjà considéré comme des gens ayant fait des avancées, etc. Imagine quand tu reviens à 14 siècles, dans la péninsule arabique, des gens, on va dire, voilà, la péninsule arabique, c'était un système tribal. C'était des gens faibles dans ce monde-là. Ils étaient entre deux empires puissants, l'empire byzantin, l'empire perse, des gens qui se faisaient des guerres
on va dire, interminables pour des choses futiles. Consommer l'alcool, couper les liens de parenté, ils enterraient les filles vivantes, ils s'adonnaient à des pratiques de débauche. Des bédouins, même l'argent se faisait rare chez eux. Le dinar et le dirham se faisaient rare. Les pièces d'or qui circulaient, c'était généralement celles qui provenaient justement des Byzantins. Mais sinon, leur manière de vivre, c'était plutôt les trocs, etc. Donc, Mouhim, ce que je veux dire par là, c'est que ces personnes, regardez comment Mohammed les a transformés. Regardez le travail monumental. S'il n'y avait pas l'assistance divine, dites-moi, comment, subhanallah, quelle explication on pourrait donner? Quelle explication on pourrait donner justement de ce travail-là? Et c'est pourquoi, quand on va observer la sira et le modèle prophétique, on va être donc impressionné par la beauté de cet homme-là. Tu vas comprendre pourquoi il a été choisi. Et pourquoi des milliards de gens, ils aiment cette personne-là. Ils l'aiment plus que leur famille, plus que leur propre personne. Parce que tu vas déceler et tu vas observer la pureté de l'âme, la pureté du cœur, la pureté du langage, la pureté du comportement. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de son comportement, il jure, il dit « Wa innaka la'ala khuluqin 'azim ». Ton comportement, il est imminent. Quand on demande à son épouse, à Aïcha, un homme, il lui dit, parle-moi, comment était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle donne une réponse magnifique. Elle lui dit, Kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement était conforme au Coran. Subhanallah. Et en plus des caractères innés qu'il avait, parce que même avant de devenir prophète, il avait des caractères sublimes. Même les Arabes reconnaissaient cela. Avant la prophétie, on l'appelait Al-Amin, le digne de confiance. En plus des caractères sublimes qu'il avait, quand il est venu, il est revenu de la grotte de Hira, il raconte à Khadija ce qu'il a vu. Sa femme, qu'est-ce qu'elle lui dit? Qu'Allah la yukhzik Allah. Non, par Allah, Allah ne va jamais t'abandonner. Et puis elle commence à énumérer ses qualités. Tu es quelqu'un qui maintient les liens de parenté. Tu accueilles ton invité. Tu es quelqu'un de bon, quelqu'un de véridique. Allah ne va pas t'abandonner, c'est pas possible. Ce qui t'attend, c'est quelque chose de positif. Ce n'est pas une punition. Au contraire, il y a quelque chose de grand qui t'attend. C'est à sa femme qui le connaît depuis des années, qui le connaît depuis plus de 15 ans, puisqu'il s'est marié à 25 ans, Nabi Sallam. Il a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. Et Khadija, c'est la première personne qui a cru, le premier humain qui a cru à la prophétie de Muhammad, c'est qui? C'est Khadija, son épouse, celle qui le connaît depuis 15 ans. Puis Abu Bakr al-Siddiq, son ami de toujours, son ami même avant la prophétie. Et puis, Ali, etc., etc. Pour que tu vois, les gens les plus proches, ceux qui connaissent le mieux cette personne-là, ils n'ont pas hésité un seul instant de sa véracité, tellement ils connaissent les nobles qualités, les nobles caractères dont jouissait Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wa salam. Alors imagine, après avoir reçu la révélation, imagine lorsque il a fait l'ascension, lorsque il est arrivé aux sept cieux, parce que quand les ulama ils parlent du fait que Allah lui a lavé son cœur, ils disent qu'Allah lui a lavé deux fois, une fois quand il était enfant, et la deuxième fois, le cœur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été lavé lorsqu'il est monté vers le ciel, al-Isra wa al-Mi'raj, lorsqu'il est arrivé au lotus final, et lorsqu'il a vu des prodiges de son Seigneur. Il a vu des signes grandioses de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Son autre épouse, Safiya bint Huyay, radiyallahu anha, qui était la fille d'un juif. Safiya bint Huyay, radiyallahu anha, qu'est-ce qu'elle dit quand elle parle du prophète? Elle dit, Ma ra'aytu ahadan ahsana khuluqan min Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Jamais mes yeux n'ont observé un homme doté d'un excellent caractère comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik, son servant. Anas ibn Malik, quand il avait 10 ans, sa maman, Umm Salim, elle l'a ramené, elle lui a dit, Ya Rasulallah,
هذا أنس خويدمك فادعو الله له. يا رسول الله voici Anas, il sera ton servant. Et à cette moment-là, quand elle a eu cet enfant, Anas, 10 ans, elle s'est dit, toi là, ton travail, c'est de servir le messager d'Allah. Ad'u Allah, invoque Allah pour lui. Et Rasulullah, il l'a invoqué pour lui. Allahumma atil umrah wa akthir malahu wa waladah. Oh Allah, accorde-lui une longue vie et accorde-lui beaucoup d'argent et beaucoup d'enfants. Et bah, celui qui lit la sira de Anas ibn Malik, il va voir que ça a été un des derniers compagnons qui est mort. Et il a eu plus de 127 enfants et petits-enfants. Et il était un homme très riche. La baraka de Dua de Nabi sallam. Regardez Anas, qu'est-ce qu'il dit, le servant de Nabi sallam. Et cela est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans les deux recueils. Les livres les plus authentiques, les plus fiables de notre patrimoine. Il dit, Wallahi, khadamtuhu tis'a sinin. Wallahi, je l'ai servi pendant 9 ans. Ma alimtuhu qala li shay'in sana'tahu lima fa'alta kadha wa kadha. Il dit jamais, jamais pendant 9 ans, il m'a dit d'une chose, pourquoi tu n'as pas fait ci ou pourquoi tu as fait ça. Et pourquoi tu n'as t'as délaissé ça et pourquoi tu as délaissé ça. Jamais. Subhanallah. Si on regarde l'aspect de l'indulgence et de sa douceur, alayhi salatu wassalam. Allah, dans le Coran, souvent, il nous parle de la douceur et de l'indulgence de son prophète. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Anas ibn Malik, justement, dont on parlait tout à l'heure, dans un hadith rapporté par le Bukhari Muslim, il dit كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Je marchais avec lui. وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ. Je marchais avec le prophète, sallam. Il portait un manteau de Najran au bord rugueux. فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِ. Et là, il y a un bédouin qui se précipite pour rattraper le prophète, sallam. Anas, il nous dit فَجَذَبَهُ جَبْذَةً شَدِيدًا. Et il tire violemment le prophète, sallam, à un tel point où son manteau a laissé des traces sur le corps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tellement il l'a poussé violemment. Et il lui dit, donne-moi ce qu'Allah t'a donné. Donne-moi ce qu'Allah t'a donné. Il dit, faltafata ilayh. Le prophète, il s'est orienté vers lui. Fadahik. Il a ri. Thumma amara lahu bi'ata. Puis il a ordonné qu'on lui donne. Regardez si on regarde l'aspect de sa pudeur. Comment les compagnons, ils ont décrit la pudeur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez être étonnés, ceux qui ne connaissent pas ce hadith, vous allez être étonnés de ces mots qui ont été choisis par Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu. Il dit, « Kana al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ashadd haya'an min al-Azra'i fi khidriha. » Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plus de pudeur que la femme vierge dans sa chambre. فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ. Lorsqu'il voyait quelque chose qu'il détestait, on arrivait à le percevoir immédiatement sur son visage. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé comme rahma pour l'humanité. Si on regarde également sa loyauté, alayhi salatu wassalam, il était d'une loyauté incroyable. Aïcha, radiallahu anha, qui était son épouse préférée, elle disait مَا غِرْتُ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ. Je n'ai jamais été aussi jalouse d'une femme comme j'ai été à propos de Khadija. Vous savez, entre les femmes de Nabi sallam, il y avait certaines jalousies. Entre Aïcha, Hafsa, chacune, elle voulait être la préférée, etc. Tellement elles aimaient Rasulullah sallam. Mais elle dit, alors que Aïcha n'a jamais vu Khadija. Elle n'a jamais vu. Elle dit, mais j'ai jamais été aussi jalouse. Pourquoi? Elle dit, كان صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها. Le prophète, il parlait tout le temps d'elle. وربما ذبح الشاة. Et lorsque il égorgeait un mouton, il coupait son mouton en morceaux et à chaque fois il donnait une part aux amis de Khadija radiyallahu anha. Subhanallah. Regardez la fidélité. Mais des années après sa mort, chaque année Rasulullah, quand il égorgeait un mouton, il donnait pour les invités de Khadija radiyallahu anha, tellement il a
aimé cette femme. Ça a été la première qui a cru en lui, la première qui l'a soutenue. Une femme qui, au départ, il travaillait pour elle. Et également, quand on regarde la biographie de Rasulallah en détail, wallah, c'est merveilleux. Regardez la fidélité. Regardez Rasulallah pendant la hijra, mes frères et sœurs. Quand Allah lui a permis de faire la hijra. On connaît l'histoire que, justement, c'était un moment où les Mekwa se sont mis d'accord pour l'assassiner. Et ils ont eu recours à une stratégie diabolique. Ils se sont dit, pour le tuer, on va rassembler plusieurs personnes de plusieurs tribus. Comme ça, lorsqu'on va le tuer, sa tribu ne pourra pas réclamer son sang. Parce que la tribu, le clan de Mohammed, il ne pourra pas faire la guerre contre toutes les tribus arabes. C'est impossible. S'il y en a un seul qui le tue, ils pourront le faire, se battre contre réclamer le droit. Mais quand toutes les tribus réunies, pas possible. Et donc, Nabi sallam, comme vous le savez, il a laissé Ali ibn Abi Talib à sa place, prendre son lit, et Rasulullah, il est sorti avec Abu Bakr al-Siddiq. Vous savez, Nabi sallam, qu'est-ce qu'il a dit à Ali avant de lui confier cette tâche de prendre sa place? Il a dit à Ali, quand je pars, il lui a laissé justement tous les biens qui appartiennent aux gens, pour rembourser justement les gens et leur restituer leurs biens. Et ça également, ça montre la fidélité de Nabi. Malgré que ces gens-là, malgré son à dire sa tribu, il est combattu, il est chassé, et lui, alayhi salam, fait preuve justement d'honnêteté. Également, quand on regarde le côté de sa modestie, hein, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: « Wakhfidh janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin » Sois bienveillant à l'égard des croyants qui te suivent. Il est un exemple sur son courage, alayhi salam. Ali, il dit, pendant la bataille de Badr, lorsque la bataille a atteint un niveau fort, il disait, radiallahu anhu, qu'on se réfugiait derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le meilleur d'entre nous, c'était celui qui, et ça c'est dans une autre version de notre hadith, le meilleur d'entre nous était celui qui était à ses côtés, alayhi salatu wa sallam. Et personne n'était aussi proche des mushrikines que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tellement Kana Shuja, il était courageux. Également, si on regarde le côté de sa générosité, alayhi salam, Ibn Abbas, il nous dit Kana Rasulullah sallam ajwad an-nas. C'était l'homme le plus généreux. Et là où il était encore le plus généreux, c'était pendant le mois de Ramadan, lorsqu'il rencontrait l'ange Gabriel. Et regardez Ibn Abbas également ce qu'il va employer comme terme, il va dire Fala Rasulullah sallam ajwadu bil khayri min ar-rih al-mursala. Le prophète sallam était plus généreux. Était plus généreux à dispenser le bien que le vent qui souffle sans arrêt. Hein, il le compare à un vent qui souffle sans arrêt. Anas ibn Malik dit un jour, il dit, à chaque fois qu'on a demandé de l'argent comme prix pour une entrée en islam, il se montrait généreux. Il dit, jusqu'à un jour, un homme est venu et il lui a donné un troupeau qui remplissait l'espace qui séparait deux montagnes. Et tellement c'était un troupeau important en nombre. Il donnait, alayhi salatu wasalam, il ne craignait pas la pauvreté. La crainte d'Allah qu'il avait, alayhi salatu wasalam. Quand il pleurait, il disait qu'on entendait, quand il priait, on entendait un bouillonnement d'une marmite venant de ses pleurs, alayhi salatu wasalam. Son ascétisme. Un jour, Omar ibn Khattab, il rentre et il voit le prophète allongé sur un tapis de paille. Il se met à pleurer. Il pleure. Et Rasulallah lui dit, mais pourquoi pleures-tu, ya Omar? Il lui dit, regarde les rois de Kisra, de Qaïsar, dans quel confort ils sont, et toi, tu es le messager d'Allah. Et là, Rasulallah lui dit, Ama tarda an takuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah? Ne serais-tu pas satisfait que la dunya leur soit donnée et à nous, Allah, il nous donne l'akhirah? Pourtant, Allah lui a fait choisir. Est-ce qu'il voulait être serviteur et prophète? Ou il voulait être roi et prophète. Et Nabi sallam a choisi serviteur et prophète, alayhi salatu wassalam. Il avait une certitude à l'égard de son Seigneur. C'était un homme qui implorait tout le temps le pardon d'Allah azzawajal. Il demandait, comme il dit Ibn Omar, dans une seule assise, on l'entendait dire plus de 70 fois, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwab al-ghafur. Aïcha disait, il priait tellement longtemps la nuit que ses pieds gonflaient. Et je lui dis, ya Rasulallah, pourquoi fais-tu cela? Alors qu'Allah. Et il se fissurait même, comme elle dit Aïcha, elle se fissure.
Elle dit, mais pourquoi tu fais ça? Allah t'a pardonné tous tes péchés, passés et futurs. Qu'est-ce qu'il répondait, alayhi salam? Afala akunu abdan shakura. Ne serais-je pas quelqu'un de reconnaissant envers mon Seigneur? Subhanallah. Al-Nabi, alayhi salam, mes frères et sœurs, est un exemple pour nous. Et il y a énormément d'aspects dans sa vie, justement, où on pourra parler de sa manière de parler, sa manière de. Sa manière de. On va dire toutes les relations qu'il avait, que ce soit avec les rois, que ce soit avec les musulmans, avec les non-musulmans, avec les enfants également, ça également. C'est une qudwa, alayhi salatu wassalam. Et c'est pourquoi c'est le maître des hommes. Ana sayyid waladi Adam wala fakhr. Je suis le maître des hommes et je dis cela sans me vanter, comme disait alayhi salatu wassalam. Et parmi mes frères et sœurs, les bénéfices qu'on aura lorsqu'on va étudier la biographie de Nabi sallam, c'est que les savants, ils ont dit, plus tu le connais, alayhi salam d'ailleurs, plus tu vas l'aimer. Parce qu'on sait que le niveau de l'amour, bien évidemment, n'est pas le même chez tout le monde. Parce que la connaissance, elle n'est pas la même également. Il y a un niveau de connaissance qui est imposé à chaque musulman. Comme il a dit Ibn Faris, chaque musulman, il est dans l'obligation de connaître quatre choses. C'est-à-dire, s'il n'a pas ces quatre choses-là, s'il n'a pas une connaissance de ces quatre choses-là, sa foi, elle n'est pas acceptée. Ces quatre choses-là, c'est quoi? Ibn Faris, qui est une référence dans Ilm al-Sira, il dit de connaître son premier nom, Muhammad, parce qu'il a d'autres noms, mais déjà de connaître celui-là, Muhammad. Ça, c'est la première chose que chacun doit connaître. Deuxièmement, que c'est un être humain, donc ce n'est pas un ange. Troisièmement, il est venu à nous avec la guidée et les preuves claires. Et quatrièmement, c'est le Coran qui a témoigné de sa véracité. Ça, c'est les quatre éléments que chaque musulman doit connaître. Après, bien évidemment, les gens se diffèrent après dans les détails. Parce qu'il y a une connaissance globale, ilmun ijmali, il y a une connaissance détaillée, ilmun tafsili. C'est comme la foi, la connaissance de la foi. Il y a ceux qui ont une connaissance de la foi qui est générale, il y a ceux qui ont une foi qui est détaillée, comme les noms d'Allah. Il y a celui qui connaît les noms d'Allah d'une manière générale, donc il arrive à énumérer les noms. Allah, Al-Ilah, Al-Rabb, Al-Ahad, Al-Samad, Al-Witr, Al-Rahman, Al-Rahim. Et il y a celui qui a une connaissance qui est détaillée. Donc plus justement la connaissance qui est détaillée, elle est plus à même justement à t'emmener, à t'élever spirituellement et dans ta foi. Et quand tu apprends à connaître le Messie, plus tu apprends à le connaître et plus tu vas prier sur lui, alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ou vous, certes, dans sourate l'Ahzab, Allah dit, certes, Allah et son prophète prient, Allah et ses anges, Inna Allah wa malaikatahu, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui avez cru, priez sur lui. La prière d'Allah sur son prophète, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah lui fait des éloges. Al-thana yuthni alayh fil mala'il a'la. C'est-à-dire il fait des éloges sur son prophète devant la plus haute assemblée. C'est pourquoi quand on dit toi prie sur le prophète, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tu dis Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Ou comme dans la prière Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. C'est-à-dire oh Allah prie sur le prophète. Oh Allah, ça signifie, oh Allah, fais des éloges sur ton prophète. D'accord? Et bah, plus tu connais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et plus tu as prié sur lui. C'est pourquoi les gens qui prient le plus pour lui, sur lui, c'est qui? C'est les savants. Imagine le savant qui passe des heures et des heures à lire sa biographie, à écrire les hadiths, à transmettre les hadiths. Combien de fois il prie sur un Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Et Rasoul a dit, celui qui prie sur moi une seule fois, Allah il prie sur lui 10 fois. Man salla alayya salatan wahida, sallallahu alayhi biha ashra. Celui qui prie sur moi une seule fois, Allah il prie sur lui 10 fois. Tu pries sur Rasulullah une fois, Allah azawajal, il fait des éloges sur toi 10 fois. Regarde la baraka. Regarde la baraka de prier sur un Nabi. Et la baraka d'étudier la biographie et les ahadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est vraiment une bénédiction. Vraiment, quand on parle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on sent que nos cœurs se tranquillisent. On sent qu'on a affaire à un exemple. On sent qu'on a affaire à un modèle, à un homme que Allah aime, un homme que Allah soutient. Et un homme dont Allah, subhanahu wa ta'ala, frères et sœurs, il lui a donné également énormément de spécificités, énormément de particularités. Et parmi les plus grandes particularités qu'il lui a données, qu'Allah a données à Nabi sallam, Shafa'a al-Uzma.
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. Car pendant la nuit, prie pour ton Seigneur. Il se peut que ton Seigneur t'accordera une station glorieuse. Maqam Mahmoud. C'est quoi la station glorieuse? C'est Shafa'a. C'est l'intercession qu'il va faire Yom Al-Qiyamah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va intercéder auprès des gens, auprès de Ahlul Kaba'ir, les musulmans qui ont commis des grands péchés, les musulmans qui ont rencontré Allah avec des grands péchés. Le prophète, Allah, il aurait pu utiliser la dua dans cette vie d'ici-bas. Mais il l'a gardée dans l'au-delà. Et justement, il priait les nuits, alayhi salatu salam, pour que Allah lui accorde ce privilège. Parce que, alayhi salatu salam, c'était un homme qui aimait le bien et qui voulait être la cause pour que des membres de sa communauté y soient sauvés. Quand un jour, Ibn Mas'ud, il dit un jour, Rasulullah, il m'a dit, récite-moi le Coran. Iqra alayhi le Coran. Et là, Ibn Mas'ud, étonné, il lui dit, ya Rasulallah, aqra'u alayk wa alayk unzil. Yani, je vais le réciter sur toi alors que le Coran a été révélé sur toi-même. Il lui a dit, j'aime l'entendre de quelqu'un d'autre. Et là, Ibn Mas'ud dit, lorsque je suis arrivé au verset, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Rasulallah, il m'a dit, arrête-toi. Il dit, j'ai levé ma tête et là, j'ai aperçu les larmes qui coulent de son visage. Pourquoi? Regardez le verset. فَكَيْفَ, Allah lui dit, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ. Comment seras-tu lorsque on te ramènera en tant que témoin pour ta communauté? Pourquoi il a pleuré? Il se rappelle que Allah va le prendre comme témoin. Il va témoigner devant sa communauté qu'il a transmis clairement le message. Or, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sait pertinemment que parmi les membres de sa communauté, il y a ceux qui ont failli. Ils ont su que Allah il a interdit l'alcool, mais ils buvaient l'alcool. Ils ont su que Allah il a interdit la coupure des liens de parenté, mais il a coupé les liens de parenté. Parle plus à son oncle, sa tante. Il a su qu'il y aurait des gens qui auraient des négligences et que Rasulullah il va témoigner et que ce témoignage sera un argument contre eux. Parce qu'ils n'auront pas d'excuses. Ils ne pourront pas dire qu'on ne savait pas, qu'on n'était pas au courant, qu'on n'était pas informé. Parce que Nabi ballagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma alayhi salatu wa salam. Donc, c'est pourquoi, inshallah ta'ala, avec les prochaines assises, on va avoir l'occasion d'aborder des thèmes de sa personne, des traits moraux, physiques, portant sur la personne de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il disait Soufiane ibn Uyayna, inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam huwa al-mizan al-akbar. C'est lui le modèle, c'est sur lui que tout doit, justement, on se réfère. Que ce soit sur le comportement, sur l'éthique, sur la pratique. Et donc, Inch'Allah Ta'ala, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc, on continuera à parler sur les traits prophétiques, sur la moralité, sur la biographie de Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimanche, Inch'Allah, parce que le samedi, ce sera le cours réservé ou tafsir à propos justement de la méditation autour de sourate al-Baqarah. Fa barakallahu fikum, jazakumullahu khair pour votre écoute, votre patience, et je vous donne rendez-vous inshallah à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.